Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est pas moi dans la vidéo, c'est les petites mains de mon mari que vous allez voir. Je vous ai filmé la suite, enfin l'avancement de son diamond painting. Vous verrez, il a déjà bien avancé. On commence à bien voir le dessin de son tableau. Voilà. Donc comme j'avais dit, hein, je vous ferai une vidéo par semaine, pas la peine que je vous filme tous les jours, ça sert à rien, ce serait plutôt ennuyeux, au mieux que vous voyez des avancements plus conséquents, pour que ce soit plus intéressant. Voilà. Là bon, ces deux trois derniers jours vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. Là il y en a, pendant que je vous parle il y en a une qui charge. Et puis là après vous aurez celle-ci bien sûr, parce que là j'ai profité du soleil pour commencer à nettoyer mon jardin parce qu'il en a besoin. Parce que là bon, je sais plus si vous saviez, mais bon, certaines d'entre vous le savent, avant j'avais des poules. Je les ai pas gardées longtemps, je les ai gardées quoi, 6 mois. Et je les ai revendus parce que bon, en fin de compte ça revient très très cher, malgré que je leur donnais des déchets alimentaires, du pain, tout ça, mais bon, les graines, tout ça, ça me revenait vraiment très cher. Et quand je calculais le prix des œufs, malgré qu'ils sont très bons, les œufs de poule que l'on fait, que l'on ramasse soi-même dans le poulailler, c'est des œufs qui me revenaient vraiment cher. Bon, je n'avais que 2 poules, mais voilà, pour avoir, j'avais 2 œufs à peu près tous les jours, mais bon. Donc je les ai revendus. Là, il me reste le poulailler, bien sûr, que j'avais acheté aussi. Et là, je vais revendre le poulailler là, mais bon, on va attendre hein, que le confinement soit terminé. Parce que là, je ne vais pas le revendre maintenant, avoir quelqu'un qui vient chez moi que je ne connais pas. Donc là, on a retiré le poulailler. Et moi, j'ai la partie où il y avait le poulailler, je l'ai nettoyé et j'ai rebêché. Et là, j'ai fait mes petites plantations d'aromates. Voilà. En plus, là, du coup, comme il y avait les poules qui sont là, il y a bien de l'engrais là. voilà, et puis il a fallu que je tonde ma pelouse, tout ça, donc j'ai profité du soleil, et puis j'ai bien fait, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche, et le ciel est déjà tout plein de nuages gris, couverts et tout, et en plus, ils nous ont annoncé de la neige dans le nord, pour lundi ou mardi, je ne sais plus, donc on va croiser les doigts, j'espère qu'il n'y aura pas de neige quand même, c'est vraiment le temps, il fait ça, hein. Il fait beau, il fait pleu, il fait pas beau, il fait froid, maintenant il annonce de la neige, bon, enfin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos là, ces 2-3 derniers jours. Et puis là, j'étais fatiguée du coup, et j'ai eu du mal à monter ma vidéo là, qui est en train de charger. Mais ça y est, elle est en route. Elle est en train de charger sur YouTube. Donc l'heure où je vous parle, vous l'aurez donc la vidéo demain matin. Pas celle-ci, hein, celle d'avant. C'est compliqué, hein. Bon, tout ça pour vous dire que là, maintenant, vous allez visionner l'avancement du kit de mon mari. Donc, vous rappelez, hein, c'est les 3 petits chats qui se reflètent dans de l'eau. Et il y a le tigre, la panthère, le lion. Je sais plus, mais bon, ça doit être ça. Et puis voilà. Et moi, je vais aujourd'hui filmer l'avancement du mien, là, cet après-midi. Donc moi, je suis sur Johnny Hallyday. J'ai déjà bien avancé dessus aussi. Donc je vais le filmer cet après-midi et vous aurez la vidéo. Donc après celle-ci, le lendemain, bien sûr, comme d'hab. Voilà. En même temps, je vais faire cette semaine un autre tuto carte, ouais. C'est bizarre quand on le dit comme ça,
J'ai eu une petite idée, une illumination dans ma tête, en faisant mes cigarettes. Je sais, c'est pas bien de fumer, mais bon, en ce moment, enfin, malgré que j'essaye de pas trop, parce que le tabac, nous, en Belgique, c'est fermé complètement. En France, ça coûte une fortune, donc j'essaye de réduire. Donc, j'ai une illumination pour faire une carte. Mais je vous en dis pas plus. Voilà. Donc, je vous fais ça cette semaine. Et toujours dans le thème, ben, on fait avec ce qu'on a sous la main pendant le confinement, on va dire. Voilà. Donc, ça, vous le verrez dans la semaine. Voilà. Allez, je vous laisse. Visionnez. Amusez-vous bien. Enfin, amusez-vous bien. Profitez-en bien. Profitez de faire des jolies créations. Voilà, je cherche mes mots comme d'hab. De vous occuper. Profitez bien de votre famille qui est à la maison. Hein. Restez bien en contact avec votre famille qui est malheureusement plus loin. Hein. C'est très important. Et puis, bon courage à tous ceux et celles qui travaillent. Hein, surtout pour ceux et celles qui travaillent à l'hôpital, peut-être qu'il y en a qui me regardent en vidéo. Donc, bon courage à vous, il y a un énorme merci pour tout ce que vous faites. Et sinon, ben, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais tout de suite des gros bisous et je vous laisse visionner la suite. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.